Watch le live et Tony Lyon sous le jeu de On est de retour. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Comment si jeune personne. Oh bonjour. Faites le tour de la boutique. Je m'occupe de vous tous. Faites le saut. Carte à Poudlard. Normalement, j'ai des trucs à faire à Poudlard. Ça me semble dans mes têtes. Allez, go, on va aller retrouver Sébastien. On va aller retrouver Sébastien et on va. Je sais pas faire quoi, mais on va faire quelque chose. Du coup, on devait aller, je crois, voir sa sœur. Donc ça. Let's go. Niveau 3. Pas niveau 2, un peu majeur. Let's go, c'est parti. Coucou mon amour. Oui, coucou, d'accord. Ça va pas bien, je vais faire ce live. Tu m'as mis un vu à 5h du matin, c'est normal. Je dormais. J'entends rien. Et j'oublie toujours d'activer ce putain de micro. Ouais, c'est normal que je t'ai mis un vu, je dormais. Après voilà hein. Attends, je vais voir si les McGregor ça marche sur eux là, parce que bon, si ça marche pas, bon je l'ai un peu dans le cul parce que j'ai payé 200 balles. Ah ouais, d'accord, il va me baiser moi. Ah. Ta mère. Pardon, où les chèvres. J'ai pas l'impression que c'est marché, hein, tu vois. Je pense que ouais, il fallait peut-être acheter deux Mandragore au final. Eh ben yes, ça m'avait gêné dans le cul du coup. Hein. Attendez, au final, ouais, on va sauvegarde. J'ai une ancienne sauvegarde aussi, ouais. C'est bien aussi une ancienne sauvegarde, genre... recharger le jeu... genre avoir de mars 23 à 2h03, parfait. Allez, on y va. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, je t'ai dans le cul, je te le dis. Et je désinstalle le jeu. C'est très bien. Bon, du coup, on a rien vu, j'ai pas utilisé de Mandragore, c'est. Ouais, tout va bien.
En fait, j'aimerais bien faire Wiggerdjum les vieux, ça. Sauf que c'est galère à faire. Wiggerdjum les vieux, ça, il faudrait que j'aille obtenir et utiliser une plante venimeuse. Très bien. Une tentacula venimeuse. Très bien. Obtenir et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. T'as cuir venimeux, 600 balles! Oh! J'ai dans le cul un peu, mais bon. Obtenir et utiliser sur plusieurs ennemis à la fois. Donc, en fait, j'ai besoin de une. Attends, on va faire un test. On va y retourner à mes couilles là. Bien sûr, faut que je me tape un aller-retour entier, c'est génial. Hein. Je suis tombé, je vois pas de quoi vous parler. Putain, je suis chez des gars là qui. Chasseur sans tête, c'est ici de base. Bref. Il y avait une entrée là hier. J'étais allé là. Pousser. Tombeau du villageois. Hein? Mais on va y aller. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a. Wesh! Niquez votre mère, vous. Putain, le pauvre, c'est juste lui que je suis en train de baiser là, tout à l'heure. Toi, tu m'as tiré dessus là, je t'ai vu, toi. Bon, on me tire un peu tous dessus. Ouais, après, je me suis un peu réveillé il y a un peu une heure, tu vois. Et sinon, ouais, ça va, tout va bien. Il t'a meurt. Oh, je suis tous en train de baiser là. Et là, toi, Compringo dans ton crâne. La pute. Et voilà, incroyable. Ouais, je viens de les baiser à toi tout seul, ouais, totalement. C'est ce qui vient de se passer, collègue. 5 pièces. Pourquoi je peux pas passer là? Ah. Bâtard, pourquoi tu me. T'es trop bien dans ton lit. Mais reste dans ton lit, pourquoi tu peux pas rester? Non, je repasse. Ça a pas l'air de fonctionner ce que j'ai envie de faire. Attends, mais. Ouais, cool. Sympathique, hein, mais comment je fais pour accéder à la suite là? Pff, Léo il travaille là, hein. Après, je sais pas, ouais, peut-être, hein, mais Léo là il travaille, c'est pour ça. Ah! Je suis allé où là? Merde, non, c'est pas forcément ça que j'avais envie. Merde. Ah, si, c'est bien répulsé. Ok. Ou que du chèque, Owen. Ouais, Owen. Pourquoi pas. Ah, mais c'est bon. Ah, ça a marché. Ah, j'ai une idée, regarde. Ah, bien la pousser là, tu vois, genre. Genre, la pousse bien là. Après, hop. On passe par là, tu vois. Alors là, comme ça. Et bam, comme ça, et voilà. Après, c'est fait. Et voilà, ça a marché. Ma théorie était bonne. J'ai pas une théorie de connard. Ouais, bah, s'ils m'appellent, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas faire avec eux. Là, je vais un peu continuer parce que j'ai envie de savoir un peu là ce qu'il y a après dans le jeu. Déjà, je vais savoir ce qu'il y a là-dedans. J'ai pour les mains. T'as fait tes devoirs? Bah, j'ai pas reçu mes devoirs, moi. Personnellement, ma prof m'a envoyé des devoirs que je n'ai pas reçus. Donc, du coup, bah, je suis un peu baisé. Après, on va pas se mytho que c'est bien aussi de pas les recevoir. Hein. Enfin, j'adore pas recevoir mes devoirs. Hein. Exceptionnel, quoi.
Bon, j'ai un objet pour les mains légendaires, ce qui fait que je vais aller les, avec, je vais aller les mettre tout de suite en fait, je vais aller les mettre tout de suite. Je vais aller voir si c'est mieux ou pas. Déjà, pourquoi ça s'était ouvert, je sais pas. T'as combien? Je sais toujours pas. Je te dis, moi, je suis dans une classe paumée. Je suis dyslexique, du coup. Ouais. Moi, je suis pas dans un collège public, ma gueule. Si je te dis, après, tu vas te foutre de ma gueule, mais bon, vas-y, je prends du risque. Moi, je suis en Ulysse, ma gueule. Je suis en Ulysse, donc vas-y, je suis un peu con, genre. C'est pas grave. Laisse passer. Laisse couler. Je suis avec les connards, moi, putain. Bon, attends, je peux pas me TP là pour aller plus vite parce qu'il faut que j'aille. Putain, mais ouais, mais dans ma classe, ils sont cons, sa mère. Ah, mais si tu savais, genre, des fois, c'est drôle. Mais on se fout pas de leur gueule parce que. Ils ont des problèmes, du coup, on peut pas se foutre de leur gueule. Sinon, après, vas-y, sa mère. Vas-y, ils sont un peu cons avec moi, ils me cherchent. Ouais, moi, je suis dyslexique. Ça te. Avant j'étais en public, maintenant je suis plus en public. Qu'est-ce qu'il fait chez moi lui, ce PD? Il sale PD, tu fais. Mais j'ai pas envie là! Notre première étape se trouve hors des terres du château. Et. Ça veut dire que t'as des problèmes en maths, en truc, enfin. Bref. C'est un peu de la merde là, passe mytho, hein. Aïe. Je viens de shooter. Après, c'est pas grand chose non plus. Oh yeah, offensive plus 45. Oh, puis ils sont stylés les gants. C'est quoi, comme ça, je vais pouvoir vendre ces gants là. Me plaise. Ouais, ouais, aussi en Ulysse. Léo était, oui, en Ulysse aussi. En fait, on était tous en Ulysse en fait. Et on s'est connus tous au collège, si tu veux savoir. Voilà, Préolard. Et qu'est-ce qu'on va faire à Préolard? Très simple. Qu'est-ce que je vais faire après Olar? Eh bien, je vais aller. Ce qui s'appelle. La fille hier est en Ulysse. Chanel? Non, Chanel n'est pas en Ulysse. Elle y était pas. Elle. Oh, il me semble que non. Je sais pas après. Non, elle y était pas. Putain, lui, il y a même phrase tout le temps. Non, tu vois, t'es vraiment un petit chien quand même. Hein. Nanou, la meuf dans ta classe que t'as appelée. Ouais, elle aussi. En fait, on est tous en Ulysse. En fait, on est tous des collègues en Ulysse, quoi. Mais. En fait, on a moins de problèmes que les gens de notre classe, des fois. Donc, du coup, bah, ce qui fait que, vas-y, on est un peu. C'est tout normal, mais je dirais, on a moins de problèmes que les autres, du coup, on est. Parce que les gens nous prennent un peu pour des cons là-bas, tu vois. Les profs nous prennent un peu pour des cons et des connards qui savent rire. Je sais beaucoup de choses, hein. Ouais, non, c'est pas les couilles. On veut vendre ça, j'ai 600. Je sais pas quoi m'acheter entre la. Ouais, les tentacules vénémeuses, j'ai besoin de tentacules vénémeuses. Faut finir Wigardium les vieux ça. Donc je vais acheter tentacules vénémeuses. Et quand j'aurai assez, je m'achèterai une deuxième. Une deuxième truc. Je sais pas, je suis jamais allé en sec pas, donc je peux pas te dire, hein, tu vois. Très compliqué de dire ce que c'est la différence entre Ulysse et Secpa, c'est compliqué là. Parce que même moi je ne sais pas, tu vois. Donc, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille, attends. Pourquoi je vais là moi? Pourquoi je vais ici? Pourquoi je vais ici? Je comprends pas pourquoi je vais aller là. Ah si, c'est bon, c'est, il me semble. Alors pas du tout, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille, super. J'ai pas de. Ah, parce que je crois que je suis à l'autre bout un peu en fait. Hein. Ouais, je suis à l'autre bout. Ouais, super. Super, je suis vraiment à l'autre bout de la planète quoi. Alors, excellent quoi. Excellent, je suis à 219 mètres d'ici quoi. Bon, je vais acheter une tentacula vénémeuse. Comme ça, au moins, je l'ai. Et par contre, on a plein d'objets légendaires hein, à peu près. On a 2-3 objets légendaires qui sont pas mal. À part les tenues qui me rajoutent un peu d'offensive, et ça c'est cool. Là j'ai plus rien à vendre, là j'ai plus rien à vendre vraiment. J'ai encore des trucs qui me servent plus à rien quoi. Et après bam, je vends tout. Et quand j'ai des trucs mieux, je les vends quoi. Voilà. Si j'ai 600-650 de santé, amélioration de balai, j'ai pas d'amélioration.
Et il a besoin d'être amélioré. Sauf que j'ai un peu la flemme, tu vois, d'améliorer. Parce que ça vaut 1000 balles. Et que pour avoir de la thune dans ce jeu, c'est faut vendre, faut acheter, faut vendre. Enfin, ouais. J'utilise la technique de la vente, ça marche mieux, franchement. Voilà. Ou de trouver de l'argent. Tu trouves de l'argent partout dans ce jeu, ça coûte dingue ça. Et mais moi, il y a des gens qui vont pas aimer le jeu, mais moi j'adore le jeu. Quoi, après le truc c'est de se faire kiffer en live aussi. J'ai parfois l'impression je joue au jeu. Frère, t'as pris au lard depuis 20 minutes, tu nous dis la même phrase que. Ouais, ta gueule. Ouais. Bon, je viens de m'acheter une tentacula vénémeuse. Ouais. Ou obtenir, ça veut dire peut-être pas acheter après, mais je sais pas. Bref, c'est bon, on a une tentacula vénémeuse. Obtenir et utiliser une mandragore sur plusieurs ennemis à la fois. Il vénère le jeu. Ah, le l'air vu que je nique des mères, quoi. Ouais, la mission, quoi. Mes couilles, hein. Voilà la mission de mes couilles, là. Il faut que j'aille rejoindre Sébastien. Ouais, puis... Allez, on va le rejoindre. Allez, c'est parti. Heureusement, j'ai le super balai qui va m'accompagner. J'ai mon balai qui va m'accompagner, donc c'est parti, allez, on y va, on se casse. Ah, plutôt Call-off, je dirais. Je suis plus pour Call-off que Gongbis après. Après, les deux sont pas mal, mais plutôt Call-off. Sauf que si un jeu que j'aurais plus de, je pense, 2 heures tout seul, ça serait plutôt Call of. Que, voilà. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, c'est comme ça. Gongbit. Ah. Ok. C'est quoi, c'est le gang de la bite, c'est ça? Je sais pas, on me pose des questions comme ça. C'est quoi, c'est ici? Bon, écoute, on montre, écoute. Oh, des lunettes! Et en plus, ça me... De toute façon, je suis passé par là, tu vois. Ça me donne... Oui, part en couille la lunette. Ça, on part en couille un peu quand même. On voit pas d'autre chose là par hasard ici. Pas, je visite un peu les propriétaires. Hein. T'as du vieux. Ouais, c'est long. C'est là où il y a tous les hiboux. Et voilà, on va monter sur le toit. Hein. Les hiboux. Ouais. On... Oh, salut toi. Comment vas-tu? C'est un griffon d'or, il est comme moi. Waouh. Et le chaton, on le voit bien de là. Hein. Moi, je pourrais me mettre dans les airs pour le voir, mais là... Il est beau, quoi. Il est beau, Poudlard, il est beau. C'est beau, Poudlard. Hein. Ce château existait, je serais déjà à l'intérieur. Je ferais sûrement pas de live. Putain, il me faut un pouvoir que j'ai pas mis encore. On va mettre les pouvoirs, hop. Allez, ça nique ta mère. Donne-moi être page, bâtard. Page du guide de la sorcière. Ça, t'as la manœuvre ici. La manœuvre du saut. Genre... Ouais, je me suis pas cassé les jambes, là. Y'a quoi? Oh, que dommage. Pourquoi elle est partie? Elle est déjà partie, putain. Putain, t'as pas profité, quoi, non? Profite pas beaucoup. Oula.
Là, on va sortir un truc en mode. Viens, on se met ensemble. Viens, on se marie. Viens, on se. Elle va te dire. Viens, on se met ensemble. Viens, on se marie. Viens, on fait des gosses. Et voilà. Coucou les ennemis. Et après toi tu vas lui dire non et après elle va pas être contente et elle va te bloquer. Voilà. C'est faux, bien sûr. Normalement c'est faux. Normalement si tout va bien, tu devrais pas avoir. Wesh. Oh, c'est quoi qui m'a. Oh, des araignées de part. Pas ouf. Pourquoi on ouvre cette merde? Je veux ouvrir. Elle m'a jamais bloqué alors que je l'ai déjà recalé. Oh bah ça va alors. Ça devrait. Eh, coucou la biche. Ça devrait aller alors. Mais là j'ai pas recalé visage avec un sourire malin. Mais là j'ai pas recalé. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Prends tes responsabilités maintenant. C'est le moment de prendre ses responsabilités. Il y a quoi là? Qu'est-ce que c'est? C'est tout mignon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des ruines encore. Bon, il doit y avoir des trucs ici. Je te le dis, il doit y avoir des trucs ici. Rien. Bon, dans le pot, il n'y a rien. Moi, je me suis dit, il y a un peu d'argent. Oh, des lunettes à vendre. Eh bien. Alors, un peu réveillé, ce qui me révèle là. Alors, est-ce que je peux faire. Est-ce que par hasard, je pourrais faire. De la thune, passe-moi de la thune. Eh non, pas de thune. Je suis épuisé et j'ai rien eu en et j'ai rien eu à mon anniversaire. Et après, il y est encore rien. Et tu m'as dit rien. Tu... Putain, tu mets encore des mots au pif. Ah ouais, mec. Non, de. Mets ça sur le côté déjà. Et voilà. On accède à la mine comme ça. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Mais non, t'inquiète. Je suis désolé, je suis pas sûr. Mais tu veux me faire un bisou? Je suis désolé, je suis pas sûr, tu veux me faire un bisou. Oula. D'accord, très bien. Réveillon. Bande de sales bâtards, comment. Ok, bon bah c'est de la merde. Tout ça pour ça, hein, quand même. Hein. Bon bah on se casse, écoute. Après c'est bien les ruines aussi. Hein. Bon y a pas de thunes, mais c'est bien. Ouais. Ouais, 3 euros. 3 pièces. Putain, ça fait 3 euros quoi. Tu me dis pas combien de temps à te faire comprendre comme ça car je suis pas sûr. Mais tu me dis tu veux que je te le fête de moi. Tu veux que je te le fête de moi, quoi. Là je suis mêlé, ouais d'accord. Okay. Bon y'a des ennemis ici ou quoi là? Bon allez baiser les ennemis, hein. Pas de mytho. Hein. Oh, en plus c'est du gobelin. C'est mignon, c'est du gobelin en plus. Ouais, pas qu'un. Est-ce qu'il y a d'autres? Elle. Je suis en train de baiser du gobelin là. Je suis un griffondeur qui te casse des gueules, ma gueule. Pam dans ta gueule. Pa, j'ai tout baisé. Repentir de tes erreurs. Voilà. En fait, je suis violent comme gars quand même un peu. Hein. Je suis un peu violent hein, quand même. Hein. Bon, il y a quoi récupérer ici? Est-ce que vous avez de la thune un peu par hasard pour moi? Ouais, vous avez un peu de thune, hein, c'est cool, vous êtes sympa. Vous êtes sympa les gobelins, vous me donnez un peu de thune. Ouais, rien ici. Attends. C'est juste de la magie, c'est pour ça que c'est impressionnant.
Je sais ce que cela représente. Une épreuve de merde. On sent pas les... Attends, y'a un cadeau là. Y'a un cadeau là. Rebellion. C'est un cadeau, moi je suis d'accord. Hein. Collectionne, ça c'est pas mal. Tu as vu qu'à côté il y avait d'autres trucs à. Bien ici, attends, c'est bien cette petite zone là. Il y avait du gobelin niqué, il y avait pas mal. Il y a des trucs là derrière. Ben, on va aller voir. Calme-toi, mon perso, calme-toi. Oh, c'est sale. Ah oui, bien ça. On est encore là. On va récupérer. Mais attends. Voilà. On y va. Ils descendent pour rentrer. Hey, je vais quand même m'approcher un peu plus peut-être. Mais non, à peine. Bon, j'arrive à emballer ma gueule de manière très super. C'est bien, on dort, c'est bien. Ouais, je suis en train de dormir, quoi. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Quel Tout à fait. Ça s'appelle le château de Rockwood. Et je te suis. C'est mon collègue. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Rebellion. Attends, mon collègue, j'arrive. Si tu vois, y a du page, y'a des trucs comme ça, quoi. Et c'est pas mal, tu vois. Moi, j'en ai besoin. Attends. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Dans là. Ah ouais, je veux bien y aller, effectivement. Je valide si on y va, tu vois. Serait. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Albatros. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Quel fils de pute. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Avec ma tête là. Elle souffre quand même. Attends, mais... Attends... Mais je... On ne s'attendait pas à un tel démon. Et je suis rentré au calme dans la maison. Pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Attends, moi du coup, je vais t'être chute. C'est pas... Ah, madame Pone, merci. J'ai faim en plus. Bon, comment on va dans ta merde, là? Parce que j'ai vu, il y a un petit truc là à côté. Là. Non, ça m'intéresse fort, moi je m'en bats un peu les couilles de toi, tu vois. On peut pas te faire un dessin, genre t'as un coffre. Le coffre pas... Ah, voilà, le coffre il est là, regarde là, il est beau. Lunettes, demi-monture, d'argent. Ça ressemble à Harry Potter avec ses merdes, quoi. Attends, on va voir, c'est bien ou pas? Ah ouais. Je pense que c'était bien ça, c'était mieux quand même. Non, c'est bien comme ça aussi, tu vois, on est stylé, on a un. On va mettre ça pour le moment.
On va aider sa sœur, on va voir pour sa sœur là. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. C'est quoi la mauvaise sœur là? Je ne sais pas. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel en défense contre les forces du mal. Et je lui pétais sa mère. Professeur Eckhart, une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feltroff ne serait pas bien, c'est pas prévu. Oh. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, c'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas, mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui. Et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Tu dois te faire chier quand même, toi, ici. Hein. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort. J'adore. Ouais, j'adore là. L'espoir peut être une bonne chose. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. C'est ma sœur. Okay. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en train. À vous. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'âme, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. Arrive. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. T'inquiète, frère, j'en ai baisé plus d'une moitié là-bas, moi. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. Ça?
C'est là-haut, sur ce plateau. Cannes a été maudite. Par ici. Eh ben non, on va la faire démaudir, Sébastien, t'inquiète. Et après, putain, on fera le Ava Gagheta Bra, mon pote. On va lui niquer sa mère, on va lui niquer sa mère. Pour lui dire d'aller niquer ta mère, tu vois. Il va fermer sa gueule, lui. Tu viens de faire ta dernière erreur. Ah. Je savais. Pourquoi tu ne viens pas de battre? Stupéfix. Pas Sébastien, fils de pute. Tu fais quoi là? Tu t'enflammes quoi toi là? Tu t'enflammes tout seul, hein, petite merde, va? Non mais je... Tu fais quoi toi? Tu veux quoi toi? Je vais t'attraper là. Attends, je vais t'attraper et je vais te la vérifier le cul, sale pute. Oh mais oh, on est où là? Ouais, je récupère tout bien sûr, hein, parce que je suis une pute. Pfff, t'inquiète. Identifié, oh, c'est un plaisir. Attends, j'ai une nouvelle écharpe là, j'ai une écharpe là dans mon équipement. Je veux savoir à quoi elle ressemble. Je suis niveau 17. Je suis niveau 16. Bientôt niveau 17, bientôt. C'est vraiment dur. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, j'ai senti de la fumée. Fait chaud. Ah, chaud là. Je suis en pleine chaleur. Merde. C'est précipité dehors. Je viens de désactiver la caméra comme un con. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne l'ont même pas vu. Visage riant aux larmes, visage souriant avec ivrerie, visage souriant avec une goutte de sueur. Oh, tu sais pas, mes imotes. Essaye de cacher. Il le tue sans raison. Que les fidèles ont attaqué Anne sans raison valable. Ils en seraient bien capables. Mais je suis convaincu qu'ils essayaient de cacher quelque chose. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affecté. Magie noire. Trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Visage rire en larmes, visage souriant avec une goutte de sueur. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Il est con le bot un peu. T'as des trucs ici.
tenais. Visage riant aux larmes, visage riant aux larmes. Putain. Réveillons. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ah, vous voyez dans les ruines, il y a des trucs dans les ruines, c'est sûr. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Putain. Sébastien. Sbot, c'est pas gentil avec Wizbot quand même. Maison, ce puits, cette vue. On prévient quand il y a des followers et tout, genre. Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Insta. A vraiment appartenu à un professeur de Poudlard il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque avec un souvenir qui me. Notre ça veut dire si moi. La sécheresse. Ça veut rien dire, notre cop. D'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et... je ne dirais un film. On les appelle des gardiens. C'est un film. Ils protègent des mais c'est un film. Quels soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. C'est un mensier. Laisse-moi récapituler. Ranrock est beaucoup dans le mois après toi parce que tu as trouvé quelque chose avec Gringotts. Tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous... C'est quoi les vidéos chez toi? Toi, tu veux trouver des réponses sur le sort. C'est une vidéo que je regarde. Parce que j'aime bien... avoir un bruit de fond avec moi. Du coup, je regarde une petite vidéo à côté de moi. Ça fait 44 minutes que je regarde. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réparons. Ouais, nique ta mère, voilà. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Ok, je crois y avec Owen. Non, pas Owen. Ah, ça fait mal, c'est merde. Rébellion. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Y'a rien. Hein. Ah, yes. Casse-moi ça. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? Parce que. Je sais que ça peut paraître étrange. En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une... Se rouler par terre de rire. La fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces... Mais... Tout... Compris. Ça me donne envie de retenir mon souffle.
Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. T'aimes bien Inès? Ouais, ça va, il est cool Inès, moi j'aime bien. Un triptyque ici. On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Il doit fêter son anniversaire. Ouais. Il doit fêter ses ailes d'ailleurs. Je pense qu'il doit faire ça. Hein. C'est vrai que c'est son anniversaire aujourd'hui. Non, on lui a fêté en pro. Nous, on est les premiers à lui avoir fêté, je veux pas dire, mais voilà. Je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Ominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre... La chambre des secrets. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Alors, tu fais confiance, Sébastien. Il y a notre collègue. Bon, encore un truc qui pue la merde. C'est cool. Attendez, j'ai peut-être trouvé comment on achète des trucs de tentacules venimeuses. J'ai trouvé, attends. J'allais vers là. T'es parti. T'es parti ? Non ? Je suis là. Attends, attendez, faut que je vois où est cette merde. 20 secondes pour suivre sa consommation d'électricité en temps réel. 1. Téléchargez l'application d'Engie et rendez-vous sur ma conso plus. C'est là, ok, on va aller là. C'est parti, go. Suivre sa conso en temps réel en kilowattheure et en euros. 3. Mesure. On sort de Poudlard et on va tout niquer. Avec Will Guards de Womlevir, ça. Poudlard, comme vous l'avez jamais vu, c'est maintenant. Ouais, let's go, hein. On va là-bas, 300 mètres d'ici, quoi. Parce que là-bas, normalement, il y a de la tentacule venimeuse. Et moi, ça me plaît, tu vois. Donc, je vais y aller de ce pas. J'ai dépensé 600 balles pour rien tout à l'heure. Alors, j'ai pu le garder. Très bien. Pour l'instant, j'ai aimé ma vie un peu, mais bon. Ça, ça me permet de visiter un petit peu des trucs aussi. L'endroit semble être assez agréable.
Donc normalement, on a pu faire le devoir de Mikoui là, de l'autre là. Donc, normalement, la quête. Normalement, c'est bon, je joue plus nul. Hein. J'ai en train d'obtenir une IA. Le bugger le jeu, je crois. Hein. Dégage, monsieur, j'ai des trucs à voir là-dedans. Bon, ok, il y a quoi là-dedans? Les objets de collection. Et attends, il y a quoi? Ouvre ça. Oh, objet pour le visage non identifié, le chanteur. C'est bien. Allez, on va ouvrir ça. Ok, bah il reste. Ouais, c'était plutôt facile celle-là, attends. Voilà, on l'a eu. Ok, let's go, on peut rentrer. Bonjour. A-t-il des trucs qui pourraient m'intéresser par ici par hasard? Après, je rentre un peu dans des maisons au calme, c'est vrai. J'avoue que là, bon. Parfait. J'entre un peu chez des gens calmes après, mais bon. Ça se fait pas trop, mais bon. Ok. Allô, Mora. Au pli. Devenu un pro pour voir les serrures maintenant. Attends. Hier je comprenais pas, maintenant je comprends tout là pour l'instant. Petite collection, ça fait plaisir. Et de la pièce. Oh là là, mais c'est bien, je vais pouvoir vendre plein de trucs aujourd'hui. Aujourd'hui on a plein de trucs à vendre et ça fait plaisir. Regarde, on a une cape qui a l'air putain de forte. Pourquoi j'ai avec cette cape? Je sais pas. C'est vraiment la même, d'accord, c'est absolument la même, mais vas-y. On a beaucoup de trucs à vendre aujourd'hui, ça fait plaisir. On va aller après au large, je te le dis, nous. On utilise une tentacule venimeuse. Bon, oh, allez. Bah, nique ta mère. Ah, je sais comment on va utiliser une tentacule venimeuse. J'ai peut-être une idée. Regarde. Alors, là, on va mettre le balai. Hop. Et vraiment, il y a des ennemis pas loin d'ici, donc. De l'ennemi, où ça de l'ennemi s'il vous plaît? Elle est pas loin, mais bon, on a plus apparemment. Je sais où il va y avoir de l'ennemi, il y a toujours de l'ennemi là-bas. C'est à la forêt interdiction! Non, c'est pas là. Ok, j'ai pas envie d'aller là, j'ai envie d'aller à la forêt interdite! Let's go! Je pars en couille. Hein. Ah non, là. Je prends le kick. Bonjour! Bien sûr, je suis sur mon balai, c'est exceptionnel. Voilà, je me TP sur mon balai, c'est bien. Donc, je fais avec mon balai enflammé un peu là. Un peu le feu au cul, c'est bien. Alors, est-ce qu'il y a un ennemi? Mais bien sûr qu'il y a un ennemi de ces morts. Coucou, bon alors, je vais balancer une tentacule à venimeux, je vais pas me faire chier. Ah, dans ta gueule. Pardon, ouais, les chèvres, bon, je te baisse, voilà. Tenir et utiliser une tentacula venimeuse. Mais je viens d'utiliser une tentacula venimeuse. Combien le jeu?
Il coûte 74,99€, 75€ à peu près. Attends, mais c'est galère d'utiliser une tentacule à Véné. Mais tu sais quoi, je vais l'utiliser sur des gens. Quel beau test très objectif, dans ta gueule. Elle est trop chère. Voilà. Qui connard qui va me balancer le truc? Dans ta gueule. Bon, je sais pas, regardez mes yeux, ça c'est galère à faire cette tête. La vermine qui a libéré Treadwell. Ta gueule, lui. Je te baise ta mère, le mec. Voilà, c'est bon. Attends, mais il y a des trucs. C'est qui me chauffe là, à me combattre? Oh, écoute-toi. Attends, deux minutes. Bouge pas. Répulso! Utilisé. Allez, go. Viens faire un câlin à papa Répulso. Ouais, et ta mère! Toi, t'es mort! Et voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est fini pour toi. Putain, il y a du monde dans la forêt, hein. Dans la forêt interdiction, il y a du monde, moi, je trouve. Hein. Après, voilà. Bon, on a fini le braconnage. Bon, il y en a à côté. Oh, il y a une crypte juste à côté. Bah, écoute, on va y aller. On se fait chier, là, à faire des trucs. Bon, bah, allez, go. Ça marche. J'arrive. Ouais. Bien, on fouille la crypte aujourd'hui. Oui. Allez, j'y vais. Eh ben écoute, nique ta race, j'y vais. Hey. Je suis où là? Oh! La magie! Votre emplacement est trop plein. Bon bah je dois virer un truc alors. Bah attends, je virerai quoi dans mon inventaire? Parce qu'en fait j'ai ton vidéo de vendre, mais bon bah si. J'ai pas trop le choix, je vais devoir. Ah putain non, pas ça. Ça vaut tout 90$, putain. Fais chier hein, toi. Casse les couilles, hein, le jeu de merde. Vas-y, faut que je sois niveau 17 pour le mettre. Allez, nique ta mère. Ah, c'est bon. Je vais pouvoir le prendre maintenant. Tout ça pour ça. Pour un truc qui pue la merde en plus. Bon, bah, très bien. Bah, je me casse en plus de ça alors. Voilà. Ouais, pas grand chose d'intéressant à l'intérieur, hein. J'ai vu mieux, franchement, j'ai vu mieux comme endroit dans la forêt interdite. Ce qui est bien, c'est que normalement la forêt interdite est un peu interdite de pénétrage, mais bon. Je crois que le jeu s'en bat un peu les couilles du règlement. Si on s'en bat les couilles du règlement. Ta gueule, une pierre dans ta gueule. Ah, pareil, et une pierre dans ta gueule. Oh, j'adore faire ça, putain, c'est ma passion. Oh, la peau de loup, bah, je prends tout. Fourrure de chien, je prends tout. Je prends tout. Tous les trucs à récupérer, je prends. Ouais, hop, on y va. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois. Ouais, ta gueule. Ouais. Tentacula venimeuse. La merde, laisse-toi. Pénétrer, t'as dit oui, normalement. Oui, bah t'as pas. Oh, oh, Abdel. Oh, Abdel. Abdel, quand même. Abdel, quand même. Non, non, là, non, 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 ah, non, mais non. Non. Eh non, non, mais non, non. Toi, je vais te niquer ta mère, c'est pareil. Coucou, petite merde. C'est pas trop bien. Nique ta mère, eh, baisse ta mère. Ils sont trop mieux, c'est fou. Quoi là avec ta langue? Tu vas brûler en enfer, ouais. Hey, ta gueule. Quand même, Abdel. Pas comme ça, quand même.
Je suis d'accord sur lui. Il a la langue. Une langue. Bon, du coup, il y a plein de trucs dans la forêt interdite. Très passionnant à fouiller la forêt interdite, dis donc. C'est passionnant à fouiller, il y a plein de trucs, c'est cool. Ouais, je fouille bien, je fouille bien. Il n'y a pas assez de place pour votre nourriture. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Putain les gars, il y a Mada qui m'appelle. Ouais, c'est quoi ? Forêt interdite et t'es gagne bois de boulot, mais il a craqué lui. Ça dérange ? Non, non, ça va. Et toi ? Tu fais quoi là ? Ah ben ça va alors, ça va. Moi je suis en train de jouer à la play. Parce que étant donné que j'ai pas de vie, tu vois. Je te mets là. Voilà. Je t'ai placé. Ça je t'entends bien. Parce que si je t'entends pas bien, ça va pas le faire. Voilà, là je te vois bien aussi. Voilà, donc ça c'est ma collègue. Voilà. Où ta meuf ? Où ta meuf ? Non, c'est pas ma meuf, Abdel. Non, c'est pas ma meuf. Non, ce n'est pas ma meuf, Abdel. Et toi ? Non, c'est pas ma go, non. Non, c'était pas ma go. Mystérieux et perturbant. At night my go. Que faire ? Comment dire en anglais at night my girl. It's my friend. Yes girl. Ah c'est gênant là quand même. Un peu gênant, Mada, quand même. Hein. Bon. On est un peu gênant tous les deux, quand même. Hein. Toi et moi, on est un peu gênant, quand même. Hein. Oui, il y a quoi ici Tu parles avec deux personnes, je comprends même pas avec qui tu parles. Je parle avec toi, je te dis, on est gênant un peu. On n'est pas gênant, on est juste spécial. C'est ça. Par contre, ils disent doucement. Wesh. Isis. C'est quoi ce truc? C'est du shit. Wesh, elle a du shit au calme cette meuf. T'as du shit au calme. Non, tu te casses. Ça fait mal. Ah, de l'araignée là. Ah ouais, c'est bon, j'ai réussi. Putain, y'a des araignées qui vont me casser la gueule, quoi. Mada, y'a de l'araignée qui vont me casser la gueule. Y'a des araignées qui vont me casser la gueule. Stupéfixe dans ta gueule et bam une pierre dans ton crâne. Oh je suis en train de balancer des pierres dans le crâne des araignées quoi. Oh c'est excellent. Allez viens là, là ta mère, viens ici. Viens ici que je vais te cramer le boule. Fais quoi là? Je fais quoi du tout là voilà. Je te plane. Tu vas voler maintenant. Et tu vas cramer. Ma vapoteuse, là. Putain, je suis en train de balancer des araignées sur les murs là, c'est genre excellent ce jeu quoi. J'adore Harry Potter. Moi j'adore Harry Potter moi. Harry Potter c'est de la merde. Ouais, je vais t'insulter toi, c'est pas possible, mais tabasse toi. C'est pas possible toi, c'est... ta gueule. Non mais ta gueule, jamais t'insultes Harry Potter devant moi. Je suis le plus gros fan de Harry Potter que tu connais ça. C'est trop bien Harry Potter, wesh. T'es là, tu niques des araignées dans la forêt interdite et tout. Petit fricus, tout alus. Oh, c'est trop bien. Ouais, mais non, t'as pas le droit de me dire c'est de la merde devant moi, quoi. C'est pas gentil. Désolé, je m'excuse. Wesh, y'a des gens, ils aiment bien et tout. Genre, on est là,
On monte sur des balais volants et tout, c'est trop bien. Moi j'aimerais trop moi. Moi dans ma vie j'aimerais bien monter sur des balais volants la vie. On n'a pas tous le même délire dans la vie. C'est, ça veut dire quoi ça? Non mais c'est pas parce que t'aimes pas, c'est pas parce que t'aimes pas monter sur des balais volants que voilà. Plus Gryffondor, c'est un pantard, Drago Malfoy. Tu peux mettre ta cam s'il te plaît en fait là? Non j'ai pas envie. Parce que j'ai la gueule du réveil là. Ça fait pas. Et moi tu crois j'ai quoi? Mais non, t'as ça va, toi. T'as ça va encore. Oh, j'ai mis le vent, là. Oh, lève-toi, là. Sans pas dire, ouais. Aïe. Je suis fait enfamer le cul, là. C'est qui m'a enfamé le cul? Oh, toi, là-bas, là. Toi, je t'ai vu, là. Tiens, dans ta gueule. Pardon, mec. Ne touche pas. Ça va. Parce qu'il y a des magiciens, ils me balancent des trucs. Aïe! Ah, il m'a niqué le fils de pute! Et en plus, il se. Oh! C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Votre aventure est terminée. Ah, oh, je suis dégoûté. Ah, je vais pleurer. Oh là là, elle allume une barrette de shit avec un allume-feu. Waouh! Oh, c'est. Oh, t'es trop une baka la vie. Oh la baka, oh là là. Elle fume du shit. Elle se passe quoi ici, le vide? Je touche pas à mon ami. Je touche pas à mon ami, on t'a dit. Je ne touche pas à mes amis. Moi, je les connais pas vraiment, mais ta gueule. Ouais, c'est cher ma gueule, moi, c'est bon. Je m'auto-casse les couilles, là, déjà, donc... Oh, pour qui, là? Les gens se prennent trop pour des oufs, là, les magiciens, là. Casse-toi là. Oui. Tu parles à qui toi, Méo? Non mais tu parles à mon chien et à mon petit ami. Tu parles à ton chien et tu dis de se casser. Casse-toi le chien là, casse-toi. Barre-toi de là. Parce qu'en fait, il voulait monter sur moi. Comme tu... Il voulait te descendre. Il voulait monter sur moi. Ah, ok. Il voulait pas me monter. Arrêtez comme lui toi. Mais j'ai dit il voulait te descendre, j'ai pas dit il voulait monter. Wesh mais oh t'es okay, trop... Oh. Non, oh, Mada, quand même, non, là t'abuses là. Là franchement t'abuses là. C'est toi qui abuses. Bon, on va regarder le jour où tout a basculé là. Le jour où tout a. Comment ça, le jour où tout a basculé? Bah, j'aime bien. C'est quoi cette merde encore? C'est seulement. Hein? C'est quoi comme série ça? Bah, c'est le jour où tout a basculé, mais tu connais pas. Non, mais pas. Tu connais pas le jour où tout a basculé? Non. C'est un truc, c'est hyper mal joué, genre. Tu vas entendre le générique, tu vas connaître. Ouais, normalement. Ah, ça comme si j'étais un pro des séries. Et bon. Ça, attends, écoute. Oh putain, oui. Alors, j'ai une anecdote à partir de ça. Tu connais? À partir de là, alors c'est très mal joué. Et pendant un temps, c'est vrai que après les cours, je regardais et j'arrêtais pas de juger ce qui se passait dans la série. Bah, moi aussi, tu vois, j'aime bien ça. Ok, alors les gars, j'ai une nouvelle idée de live. Voilà. J'ai une nouvelle idée de live, madame. Je vais faire des lives sur le jour où tout a basculé. Et je vais faire. C'est quoi cette merde là? Avec le frère. Non, c'est pas. J'avais regardé une fois un truc. Genre, c'était un gars qui sortait avec la mère à son pote. Non, moi. Osef. Moi aussi, je sortais avec la mère à mon pote. Les gars. Elle me regarde trop mal. Moi aussi je me suis tapé la merde d'un pote, genre, c'était en soirée et tout, genre... Bah oui, en soirée, il y avait Samuel. Ouais, sa mère elle était là et tout, du coup je lui ai cassé le cul en boîte et...
Et là, depuis ce pote il me parle plus quoi, mais c'est pas grave après hein. Bonjour. Arrêtez ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a? Allez, bouge pas toi. Bouge pas, et tu te protèges pas. Mais regarde. Wesh. Oh par contre j'ai un 10%. Attends, je charge vite fait, après ton attends. Allez, allez, allez. Pourquoi là? Tu fais pas. Et casse-toi. Oh il s'est pris un mur en pleine tête quoi. Abdel, il y a une heure. Live. Live. Bah. Yes. C'est bon truc ici. C'est gozo. Non mais oui. Les créatures seront bien plus en sécurité. Oui. Et où est ma Watson? Bon bah je suis allé casser des culs dans la forêt interdite quoi, c'est combien? C'est trop bien la forêt interdite. Ça va, tu découvres plein de trucs et tout, genre c'est à côté de Préolard et tout, genre tu découvres plein de trucs à... Ah, carte de Préolard moi j'ai. Carte de Préolard et on va... Enfin, où tiens. On va où est-ce qu'on va? On va aller vendre de l'objet là, on va faire cracher notre thune. Et là, voilà. Réveillon. Infinity and Contatem, comme dirait Hamion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Genre. Oh, il y a un coffret. Petit coffret là. Eh ben attends, j'arrive le coffre, bouge pas. Faut se rappeler qu'il y a un coffre ici, hein. Oui, bref, vas-y, on peut trouver un coffre de toute façon. Ça aura qu'une série de niveau 3, quoi. Putain, y'a que du niveau 3 ici. Rébellion. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bonjour, c'est le con là. Ce serait un mange-mort plus tard. Ya, je suis retour pour te vendre des choses, sale pute. Oh, j'ai du truc à vendre là. Oh. 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 Bon, ça sert à rien. Tout ce qui pue la merde ne sert à rien, tu vois. On se fait 1000 balles en genre. En l'espace de 6 secondes, comment se faire mille balles? Attends, parce que je vais peut-être revenir, hein. Bouge pas. Est-ce que je me rappelle où il est ce coffre de merde? Oui, ce fils de pute de coffre. Alors, déjà ça. Yes. Il est où le coffre? Il est là. C'est pas lui. pièces, wesh, je suis milliardaire, swag millionnaire, putain, il m'a donné 500 pièces genre au calme. Est-ce qu'il existe plus à ah c'est un bon lui hein. Je peux plus voir le coffre. Ah bah très bien, bah nique ta mère. C'est quoi? Ah manger tes morts, bâtard. Je sais pas, je t'ouvre. Manger ta maman, voilà. Normalement, il y a plein de trucs là à récupérer dans les. Avant, comme ça là. Ouais, mais ça, c'est des serrures de niveau 3, ça fait péter un plomb, tu vois.
Oui, c'est pas ça. Bon, je pète. Réveillio. Il y a une porte derrière là, ça veut dire qu'il y a du truc à l'intérieur. Ça, c'est niveau 3, ça encore. Trop de niveau 3 en fait ici. Ça n'existe pas genre niveau 1. Moi j'ai plus de 2000 balles là, comme ça. Vous êtes de retour ? Ouais, je suis là pour te vendre des trucs. Que ouais, je suis 2000 balles quoi, c'est belle. 2220 balles, voilà, ça marche. Aujourd'hui on est devenu riche, aujourd'hui on est devenu riche. Aujourd'hui on est riche, hein. On a un collégien très riche, on a 2000 balles. Allez, maintenant à Poudlard. On doit aller. On a des objets légendaires et un objet épique. On a des trucs à faire. On a des trucs et on doit les exploiter. Merde. Putain. Quand on a des trucs, on doit les exploiter. Bon, déjà, donne-moi ça. Et hop, équipement. Cape bleue et lunettes. Oh, c'est bien ça. Attends, c'est bien là. Il y a plein de trucs légendaires là. J'aime bien. Putain. J'aime bien. 43 et dégâts cru. Oh là là, mais que c'est bon ça! Oh là 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 là, mais j'adore! Oh putain, rentre frère, on a une gueule, non? Mais tous les objets qui me donnent du pouvoir, je les prends. Même si j'ai une gueule un peu, on dirait bizarre. Mais c'est pas grave. Vas-y, on va se faire un peu de décoration là, parce qu'on a rien un peu dans notre salle sur demande, tu vois. Bon, professeur Weasley, elle est toujours là, je sais pas pourquoi, mais frère, t'es dans ma pièce, le bâtard! Je suis fou chez moi. Il faut que je prenne un pouvoir, je sais plus c'est lequel. Oui, voilà. Ouais, on s'est trompé, bon, pas grave. Alors, tiens. On va prendre quoi, tiens. Bien au milieu, là, tu vois. Et voilà, c'était mon scier. C'est de la merde ça. Bon alors. Peut-être un peu de meubles là quand même. Ah. Alors. Une potion noire à foutre banquier. Ça j'en ai déjà après accessoire. Enfin, ça j'en ai déjà aussi donc ça sert à rien. Allez, des potions. Ah, plus grand quand même. Ouais, pas plus grand, désolé. Ça me permet d'avoir des trucs trop bien. On est en train de faire la décoration de la maison, ouais totalement. Moi j'ai envie d'avoir des tableaux dans mes. On va mettre là, lui. Il est bien, lui. J'aime bien. Bon. Bon, alors, un petit siège quand même. Attends. Alors, un petit siège quelque part. Attends. Siège royal, mon pote. Ah, dommage, la chaise quand même. Ouais, non, les chaises, elles sont pas très. Voilà quoi. Vous y allez à part. C'est une belle gueule ma maison là maintenant, là, enfin mon endroit. Il y a un truc là, j'ai une table là, tu vois, pour faire pousser des trucs. Non, franchement, c'est cool, moi j'aime bien. Ouais, je me casse, hein, madame, hein. Je suis désolé, hein. Je n'aime pas, hein. C'est pas que je vous aime pas, mais un peu quoi. Moi, je me casse, sale pute!
Oh! Te parle, comment je me casse? Ah, merci. Du coup, chic. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait! Ah, on va apprendre à capturer un truc. C'est bien, bah, bah allez, capturons. Bah, allons capturer. C'est parti, let's go alors. Braconnier. Chic a détesté devoir le servir. Chic peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses... pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le pied. Nous sommes arrivés. Chic adore venir ici pour observer ces créatures. Ah, connasse! Là, j'ai capturé. Je suis trop fort! J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Trop bien. L'araignée capture les boursouf et. Ah, foutre. Va me casser les couilles. Il y a plein de trucs à récupérer là encore. J'en ai chopé deux, on est content. Bonjour. Excellent. Chic se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Je les balais, t'inquiète. Les barbies sont juste là pour ce gros arbre. Chic a déjà vu des sorciers utiliser les Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbie. Bonne chance, Chic attendra votre retour. Ouais, il faut que j'ai les Vioso du coup. Alors. Merde. Mais équiper les Vioso alors. Voilà. Les Vioso. Bon, pas du tout le bon, mais. Inutile de compliquer les choses. Je... Action. Putain, merde. J'en ai un. Le professeur Owen ne me croira jamais. Heureusement, il va être obligé de te croire, je pense. Hein. J'ai récupéré un Jobarbie. Chic espère que votre Jobarbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours? Chic a découvert l'existence d'un troupeau de Vaudelune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chic vous retrouvera là-bas. Au pire, je te suis, hein, ça va plus vite. Parfait, en plus, un petit truc. Bonjour Chic, c'est la clairière dont tu parlais? Oui, les Vaudelunes se rassemblent près du grand... Alors?
Rebellion. Chic, qu'est-ce que je dois faire déjà? Ils peuvent être durs à trouver. Comme ils ne sortent que la nuit, il faudra parfois attendre en fonction de l'heure qu'il est. En fait, je peux pas la faire tout de suite, quoi, c'est ça. Super! Super! Bon, bah, allez, on va là-bas, quoi. C'est pas notre quête principale, je nique ta mère. Dans un endroit comme celui-ci. Bien souffrir, n'est-ce pas? Thank you.
Parfait. Garde des accusations pour quelqu'un d'autre. Putain, lui me casse les couilles. Alors, allez, mon pote. Je te fais voler. Je te crame le cul, bâtard. Faut bien cramer les fesses là. Carrément, ta main il hurle. Carrément, ta main ça pique. Il y en a même, il va hurler là-bas. Et ta mère! C'est là? On va y aller là. Donne-toi à moi. Voilà. Je les terrasse, on va dire. C'est entièrement la faute de Ranrock. Bien sûr, on est à Poudlard. Non, on est à Poudlard. Que fait un élève à Poudlard? Il va tout simplement niquer des mères, c'est tout. Voilà, c'est pas de. Bon, Réveillo, donne-moi ton truc. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais donne-moi-le. Bon, bah, quelqu'un qui va voir ici, hein, je pense. Hein. Peut-être se barrer avant que. Avant de nous faire chier. Oui, il y a du monde là. Tu fais quoi toi? Tu fais quoi toi? On va même pas te toucher. Toi. Tu ne toucheras pas un seul de mes cheveux. Bon, toi par un feu, le bref te. Toi tu vas y passer toi. C'est pareil. Oh le skill de dingue. Oh le tap des skills les gars. Sale, hein. On leur a fait du sale. Hein. Ah ouais, là c'était violent carrément. Là je suis gêné pour eux là. Attends, voilà. Let's go. Non mais on fouille un peu là. Oh mais encore des gobelins. Ah non, des morts vivants. Hein. Trop bien. Enfin, il m'a cassé les couilles hier. Hein. Ah oui, ça va être très bien. Hein. Flamme, bâtard. Dans les airs, enlevé. Une telle violence. On est violent quand même hein, dans le jeu. Un peu violent comme élève. Oh attends. Est-ce que ça m'intéresse? Bien sûr que oui, ça m'intéresse. Je devrais regarder ça de plus près. Bien sûr que tu devrais regarder. Moi je passe ici moi. Bonjour. Eh ben y'a rien. Très bien. C'est très sympa, y'a que dalle.
Pas même pas un petit truc. Bon bah allez, on se casse alors. On tombe dans des grottes inconnues, genre on est là, on se balade quoi. Vite, on se balade dans les grottes là. Ne douche pas. Je peux pas vous capturer, vous? Ouais, c'est ça, ouais. Vous savez bien. Vous savez. Non, mais un peu de trucs explorés, donc me dis bien que. Ouais, quoi. Ouais, de Poudlard. Voilà. J'espère qu'on aura pas mal de trucs ici à voir. Réveillon. Il bouge pas, hein. Voilà. Alors déjà, toi, bouge pas. Ça m'a cassé les trucs, hein. Une bande, toi aussi. Hein. Pouh. Oh, c'est tellement violent. Tellement de sœurs dans la... Oh putain. Carrément, on est content de leur baiser leur mère, quoi. Oh, Dartune. C'est une qui vole. Ah, mais en vrai, c'est bien de tuer des gens comme ça, genre, de manière très violente. On fait de la violence, et ça, c'est bien, tu vois. Ta mère. Pas quoi se servir, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ton esquive en ta gueule. Oh, salut mec. Arrêtez aussi pas d'un truc comme ça. Quoi. Dans une... Je sais pas, il y a une qui a parlé, il fait tout ça. Je mange, je fais un truc comme ça. Salut mec. Toi, bravo, ok. Bien. Vous allez vous calmer, oui. Chacun dans son tour, il y en aura pour tout le monde. Merde, hein. Ah, de vouloir en avec un peu là, je rajoute la revers. Ah, je vais leur apprendre le respect à ces petites putains, quand même, hein. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu oses faire là? Tu me toucher toi aussi? Attends, ah, vas-y, passe pour toi. Ah, le pute va. Ouh là là les gars, ouh là. Toi je t'ai vu toi. Ah, juste derrière toi. Allez. Et niquez ça, merci que t'es là. Faites quoi là? Arrêtez, vous avez pas le niveau. Les gars, vous n'avez pas le niveau de tonton. De tonton.
Vous n'avez pas à ce niveau-là. Vous n'avez pas la baguette magique comme j'ai moi. Vous n'avez pas ça, regarde. Tu peux pas faire ça, toi. Moi, j'arrive, tu vois. J'arrive et bam, ça va marcher. Un chacun. Oui, allez, 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 spam sa mère à lui. Hein. Oh, ta gueule, hein. T'es mort. Violent. Il est violent quand même. Hein. Qui t'en encore? Vous croyez pas que c'est assez là, comme ça là? Un peu ras le cul là! Putain, cassez-le, putain. Comme si les esquives là. Allez, ta gueule là. Oh, toi, je vais te niquer! Je vais tous niquer, vous m'avez niqué mes potions, bande de fils de pute! Allez, ta gueule, toi. Tu fais ça, merde, va. Prends-toi du feu dans ta gueule. Je vais enflammer la piste, moi. Ouais, non, tu ne touches pas. Trop court. Trop court, ça. Putain, si c'est tout ce que tu fais vert, c'est ta merde. Allez, attends-toi, je t'ai dit. Ta gueule. Ah, c'est bon, je peux juste faire ça, moi. Ta gueule. Voilà, t'as niqué. Donc, toi, tu m'as niqué toutes mes potions, c'est très gentil. Allez, casser les couilles. Niquer toutes mes potions, toute ma vie, là. Toute ma wave là. Ouais, j'ai remonté. Hein. Putain, c'était chargé ici. Hein. Dommage qu'on peut pas jouer à plusieurs. Ouais, ce serait été drôle. Hein. Putain. T'imagines à plusieurs sur des balais là. Papa. Faut que j'aille là. Coucou, bonjour les amis. Très imposant du temps de sa splendeur. Oui, il a l'air. Ah mais non, on s'en bat les couilles, il y a une grotte à côté, donc... attends. La thune? Oui, $1. Très bien. Pièce d'argent, quoi. Super, j'allais loin. Après, je suis chez 2000 euros, donc ça devrait aller, tu vois. 2000 pièces, tu vois. Donc, ouais, ça passe, ça va. Il y a du feu ici. Comment je rentre là-dedans, moi? Ouais, c'est cool, hein, mais bon... Ouais, je peux pas rentrer, très bien. Le gaz, bah, j'ai pas le sortilège de gaz, déjà, donc bah, je peux pas rentrer. Bon, bah, allez. En tournant derrière. Que ça a fait. Oh, c'est éclairé là-bas. Oui, un œuf. C'est un œuf. Je sais pas ce que c'est, mais bon, ok. On va mettre là. Je suis un peu bloqué, je crois, là. Oula. Allez, on va sortir, hein. Bah allez, je pense pas qu'il soit fait pour ça, quoi, tu vois. Là, on va descendre, on va le faire là-bas. Hein.
sais pas trop ce que ça a fait, mais ouais, bon, ça m'a donné 100 d'XP déjà. Là, c'est le truc que je dois emmener là-haut. J'ai pas le sortilège. Ça a pas marché quoi. Ah bah, je me casse, allez. Je vais vous avoir connu. Ouais, je me taille, hein. Je vais me faire emballer ça, ok. Parce qu'il fallait que j'aille faire des trucs et ça sort que la nuit. Je vais attendre que ça soit bien la nuit, après bam, je vais y aller. Bonjour, bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais... Bonjour, enchanté. Ah, bonjour, je suis Patrick Agarty et vous êtes... Bien sûr. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Oh, c'est quoi ce merde? Ça vaut cher, mais... Est-ce que c'est bien? Votre visite a été bien favorable. Quête, ouais, allez. 1 600 $, putain, je dis. Putain de cher, frère. Il me devait chier. Je veux bien rentrer à l'intérieur, quoi. Oui, le. Il y a un truc ici, il y a un truc. Ça, j'entends bien tout ouvert. Ne mens pas, j'ai entendu. Réveillon. Je vais réveiller ce qu'il y a par là. Mais déjà à l'intérieur, ah putain, je crois que c'est une série de nouveaux. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Oh yeah! Ouais, les cafés. Et voilà, c'est bon. C'est trop bien quand ça se fait vite comme ça, là, ces trucs-là, c'est bien, c'est bien. Oh, je suis en train de boire là. Mais attends, il y a des gens. Mais il y a des gens. Ça se fait pas ce que je fais. Bonjour, désolé, je ne fais que passer. Oh, 57 pièces. Désolé, monsieur. Je suis sorti de chez vous. C'est un peu bizarre ce que je fais quand même. Après, je suis un peu en train de rentrer chez les gens au calme. Mais bon. Ah, mais d'accord, donc le truc en plus était dehors. Donc, après, j'ai récupéré 57 pièces, c'est bien quand même. Je sais pas où est le truc. Et non, c'est pas du coup, on en a plus tard. Ah, le mouling. Donc, le mouling, il y a une page. Et une page à. Prendre. Bon, plus que des pages. Il y a 16 pièces. Là, je suis pété de thunes un peu aujourd'hui. Hein. Pour une fois que j'ai v'là la thune, je suis très content d'avoir de la thune. Quoi. Je suis très content. Bon, on va se casser, allez. Putain, un truc à observer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça sent l'ennemi par là. Vallée de Poudlard. On a la vallée de Poudlard. Putain, on est pas loin. On est loin de Poudlard quand même. Putain, il y a des trucs là. Vous avez vu, il y a une page. Alors, regardez, t'es devenu un monstre. En fait, j'aimerais récupérer ma page, espèce d'enculé. T'es en train de me niquer un peu ma vie là. Tu vois ? Allez, casse-toi. Oh, vous cassez les couilles, vous, hein. Ça fout d'aller me faire, de venir me faire chier là. C'est juste une page, merde hein. Merde. Ah, c'est mal. Pourquoi toi? Comment tu osais me toucher, bâtard? Au revoir, je dégage. Coupon décale, comme ça gadou mon pote. Putain, je suis obligé de décaler ce que tu dis. Reprends la vie, je vais t'enculer ta mère. Allez, arrive. Ça m'intrigue. Où ça? Oui, il y a un truc. Bon, attends, j'y retourne, j'y vais après alors. Hein, parce que. Un truc plutôt intéressant là. Voilà. On y va. Cette merde. C'est ça.
Wesh. Wesh. Ah ouais, le jeu il vénère quoi. Ah, le jeu il est pas content frère. Je sais pas ce que j'ai fait mais en tout cas il est pas heureux quoi dans sa vie. Ouais, hop, j'ai dû violer que je débloque au niveau 18 et je suis niveau 17. Bientôt niveau 18 d'ailleurs. Je voulais niquer quelques trucs et après bam niveau 18 et après j'ai 42 de trucs. Après c'est cool quoi. Je sais pas ce que c'est. Le jeu est un peu buggé quoi, un peu sur les bords quoi. Je veux pas dire mais bon, là, un petit problème là quand même. Hein. Bon alors, on va vite se téléporter là à la mission où je dois aller parce que je peux pas la finir tout à l'heure en fait. Direction truc. Voilà. Ouais, une. Là, je ne te ferai pas de mal. Ouais, j'ai fini ta mission de merde là. Connasse. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un vol de lune. Une autre créature a été sauvée. D'accord. Chic vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous voulez. Ah ouais, j'ai fini. Cool. Ah, il faut que j'aille à la salle sur demande. Très bien. Ah, j'arrive alors, collègue. J'arrive, le collègue, j'arrive. Salle secrète, salle sur demande, et on y est. Ah, c'est franchement très cool, du coup, ce qui se passe, quand même, c'est cool. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi vous pensez exactement ? Putain. Vous avez réussi. De quoi s'agit-il? Chic n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous serez à l'intérieur. Wesh. Ah mais j'y vais direct. Bah, attends, je sais pas, j'ai... Donne-moi juste ma place. Ah, c'est mieux, quoi. Ouais. What is it, my friend? Regardez ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chic? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Chic pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chic l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs,
Les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chic vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Chic, il est là. En train de s'amuser à nourrir des trucs quoi, c'est super. Moi ça éclate. Et bouffe ma gueule. J'en ai plein maintenant. Et voilà. Trop bien. Merci. Oh mon cœur là. Il est là. Oh le petit connard, il est là. Tiens ma gueule. Mange. Petit con, il est con, mais... Tout mignon, regarde-le. T'as dû faire un câlin, alors. T'as dû faire un câlin, ce bâtard. Voilà. Récupéré, Chic. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chic. Chic va vous montrer comment les utiliser. Ouais. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce pièce. Un métier à tisser enchanté. Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chic pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chic. Je vais essayer le métier à tisser. Ok, un métier à tisser. Eh ben, à terre, alors. Putain, j'ai trop d'argent derrière. Voilà, c'est ça. Et. Je vais donner le couleur de griffon d'or, tu vois. Très bien. Et ben voilà. Tout ce que j'ai des vêtements qu'on dirait. Ils ont tous des attributs, putain. Je casse les couilles. Voilà. Ça s'est bien passé. Je devrais m'en tisser. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chic vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Merci pour ton aide, Chic. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandé, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules. L'invocation peut être...
Oh bah voilà. Oh, verre à verre d'eau. Putain, je vais pouvoir prendre verre à verre d'eau. Verre à verre mes couilles là. Oh putain. On a raison. Et voilà, je suis plus fort maintenant. Je sais pas combien de trucs. Attends, j'ai combien de défense? J'ai offensive, j'en ai 127, défense 128. Ça va? Mais j'ai 2734 monnaies. Je suis riche. Fils de pute, il faut que j'y regarde le milieu ça. Oh la con de sa mère. Un cours d'astronomie! Oh, c'est pas drôle, allez! Sauf que j'arrive pas à faire Wingardium Leviosa, je sais pas, j'arrive pas à faire la quête. Je sais pas où j'utilise ce truc. Wingardium. Alors, comment on va faire le cours d'astronomie? Carte. Donc, on va aller dans cette salle, on va aller dans cette salle. Sortilège, tour d'astronomie, c'est où? Réagir. Parfait. Je vais en tour d'astronomie quoi. Retrouve-moi près des ruines du château près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. J'ai toujours dit que voyager. Je viendrai alors. T'inquiète. Oh. Astronomie. C'est plutôt intéressant ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. J'ai une gueule sur moi. Ça ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente. Non, mon père, c'est une grecque sans bonnet de Noël, là, trop stylé, là. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel. Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Taka. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, non. Effectuez la mise au point sans vous faire aider. Je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Oui, professeur. C'est clair. Vous pouvez y aller. Oh, bonjour. Je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Oh, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre. C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste. Ah ouais? Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'il prenne la poussière. Eh bien, merci, Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie. Tu ne peux pas rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. Très bien, bref. Bah, faut que j'aille en bas, là. Ouais, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille.
Le professeur Chat est aussi froide et distante que les fichues étoiles qu'elle veut qu'on étudie. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre avec ces tables d'astronomie qu'on ne pourrait pas avec de bonnes vieilles. C'est son vieux télescope? Il a l'air pratiquement neuf. J'ai des nouvelles lunettes. Allez, des nouvelles lunettes, encore une. Est-ce qu'on va avoir une meilleure gueule avec ça? Bah oui, quand même. Une lunette de Madame Weasley, attendez. Oh, c'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Non, j'ai pas envie. C'est la nuit parfaite, j'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Et tu cherches quelqu'un pour t'aider à le trouver? Voilà, tu veux bien m'aider? Personne du club de Barboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait. Tu ne le regretteras pas. On y va? J'espère. Connasse. Parce que là, moi, voilà quoi. Se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. Rebellion. Les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. Ah, c'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Les joueurs de Barboul sont vraiment des poissons. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de quoi s'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je le pensais. Encore des toiles d'araignée. Tu penses qu'il y a des araignées? Oh non, pas aussi près de l'école, Anita. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras allumé le télescope, nous pourrons remplir le champ. Putain, c'est une galère, quoi. Et voilà. Lire. Et tu sais, cette constellation là de merde. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines. Comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis. Ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début. Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. C'est pas bien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Ouais, c'est pas sympathique celui-là. Bon alors, je suis en train de faire un salto avant quoi, super.
Bon, là, j'aimerais savoir comment faire le devoir de Wiyarjum Leviumekui, là, d'accord? Ok? J'aimerais savoir comment on fait, et je ne sais pas. Faire le devoir de Wiyarjum Leviosum. Voilà, c'est parti. Merde, je crois pas que je viens juste, Grill. Constant. Serais-je en sécurité? Je pourrais me rendre utile. Vous croyez vraiment qu'on avait oublié? Bonjour. Oh, je suis toujours... C'est bon, il en faut qu'une. J'ai tout ce qu'il me faut normalement, donc préfère Wiyarjum Leviosa. Il va falloir que j'aille tout simplement très ça va être très facile, hein. Ça va être très très facile même. Faut que j'aille dans la forêt interdite. Voilà, c'est la forêt interdite. Forêt interdite, c'est parti. Je suis avec mon balai. Parce que je ne pars jamais sans balai, c'est une chose. Voilà. Ennemi par là, s'il vous plaît. Après, bon, tout à l'heure, j'ai un peu lavé tout là. Oh, c'est un loup. Oh. Faut que je trouve de l'humain là-dedans. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Ouh, attends. On va faire quelques... Ouais, on va faire un petit détour par là. Ah, je sais. Faut réveiller. Ah bah voilà. Pas une écharpe alors. Nouvelle écharpe. Oh, cool. Là, j'ai du gilet presque sur moi là. Sauf les gants et le chapeau qui sont incroyables, bien sûr. Mais, voilà. Ah. Je pars un peu en couille moi. Tellement mieux ces lunettes comme ça. Attends, mais c'est trop stylé de pouvoir les changer d'apparence comme ça. Alors.
Ah, même ça. Oh. Plus de flow quand même. Ah. Wesh. Parti en couille. Je peux tout changer d'apparence et ça c'est bien, tu vois. Ah, je vais m'en tenir d'écolier, c'est mieux quand même. C'est tellement mieux d'avoir un petit sapin de Noël comme ça, quoi, là. Quoi. Attends, c'est tellement mieux. Sur les charbons à mettre Gryffondor, hein, parce que... Là, on est vraiment... voilà, c'est bon, là, c'est mieux, là. Là, je suis bien comme ça, là. Là, je me sens mieux, là. Je me sens plus Harry, tu vois, voilà. Comment je monte au pire, parce que... C'est une technique. Ah, c'est bon, ça marche. Alors attends, vraiment, je vais dans quête, enquête. Wingardium Leviosa. Ah, c'est de la merde. Moi je cherche de l'humanité là. Pas toujours qu'on voit un élève fracasser des monstres dans la forêt. C'est une petite passion, tu vois, de faire ça. J'aime bien. Bon, alors attends, où il faut que j'aille, moi, pour faire ma quête, là. Il y a pas de l'humanité là-dedans, là, un peu. Encore un loup. Bah attends, au pire ça marche sur un loup, mais après vas-y, j'ai de la thune à dépenser, donc au pire.
Belek, hein. S'en bat les couilles, hein. Le loup. Ah non, ça tombe. Ça n'a pas marché, je vais serrer. Non, je vais serrer, frère. Allez, vas-y, que ça va se marcher, gars. Putain, mais faut qu'il y ait plusieurs ennemis à la fois, mais frère, c'est galère! C'est chiant, hein. Ça me casse bien les couilles plus qu'autre chose. Non, voilà. Alors, il faut que je retourne à un truc de botanique là, mes couilles. J'en prends deux, j'en ai rien à foutre. J'en prends deux cette fois-ci. J'en prends pas une, comme ça, j'ai pas à faire un aller-retour. Bon, je vais là et voilà. Alors, putain, mais ça a pas marché. Ouais, on y va, go là, putain. Qu'est-ce que tu fais? Putain, regarde-moi ça, toi. Ah, si, si. C'est là, bah voilà, regarde, on a trouvé l'entrée, hop là. Bonjour madame, j'ai besoin de mon Gregor, sinon bah, c'est la merde et je peux pas faire mon sortilège de merde. Donc bonjour madame. Je m'occupe de vous tout de suite. Adieu ma thune. Je suis toujours ravi quand une jeune personne fait un achat judicieux. Oui, allez, au revoir madame. Au revoir madame, au revoir. J'ai besoin de vous reconnu. Obtenir et utiliser le Mondragor sur plusieurs ennemis à la fois. Après j'ai fait ça et après j'ai fini. Et après c'est parfait. Et voilà après. Et après nique ta mère. C'est tout. Pas plus rien. Bon, je ne t'ai pas la forêt interdite parce que bah, j'ai un peu la flemme de marcher, tu vois. Donc carte du monde, forêt mes couilles interdites. Hop. Attends, là. Bien dans la forêt. Enfin dans la forêt. Et on va dedans, tu vois. On s'en bat les couilles. Ça... Ça va chercher de l'ennemi ici, hein. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Voilà, le devoir, c'est fini. Oh. Le devoir, c'est fini. Bon, du coup, je suis obligé de me battre. Bon, allez, tu me battes, mon con. Ouais, attends. Oh, tu as niqué tout à l'heure, hein. Bon, t'as protégé de nous, c'est gentil, par contre. Toi, nique ta grosse mère, comme pute. Ouais, j'ai soif. Confirme. Salut, toi. Casse-toi. C'est mieux, je pense que c'est mieux. Ouais, je vais aller apprendre à regarder mes vieux ça maintenant, hein. Oh putain, en fait, tu es. Même pas cette petite merde. Ah, du. C'est bien, c'est bien, c'est bien.
On a du truc à vendre, on a récupéré. Ouais, ouais, c'est bien, je suis fier. Bon, allez, direction Poudlard. Nice. Oui, j'apprends au garde de Leviosa du coup. Parce que moi, après, j'avais envie d'apprendre, mais bon, faut que j'aille. Assister au cours de botanique. Voilà, super. Super. Alors, madame, faut que j'aille où ? Bien que j'aille à Poudlard, effectivement, Poudlard. Cours de botanique, il est par là. Du coup, je me TP juste là. Halle centrale. Allez, salle des potions. Ouais, salle des potions, par là. J'ai toujours rêvé de... d'apprendre... le gardium Leviosa, moi aussi. Oui, le gardium Leviosa. Oui, c'est pour le fun. Allez, bon, pas besoin d'ouvrir comme ça. Ok. Bon, du coup, comment... Bon, je dis... Oui, voilà. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu, moi, ici. Hein. Ça fait longtemps, c'est vrai. Il y aurait... Je ne suis pas revenu depuis longtemps. Bonjour. Waouh. Faut crever ici, hein, c'est bien. Je suis content moi aussi de vous revoir, madame la professeure. Vous allez m'apprendre un super sort qui s'appelle Wintergym Leviosa. Moi je préfère le. Je vais le faire voler. Et oui, c'est si, madame. Ah, je sais. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. J'ai dépensé énormément de thunes pour ta gueule, surtout. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Ekat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation, le plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Wingardium Leviosa. Pas Leviosa, ta gueule. Vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de brins d'Achilles terminatoire. Ah, ça me plaît, moi, ça. Là, Wingardium Leviosa. Oh, yeah! J'ai mis Wingardium Leviosa maintenant. Voilà, on va tester ça, oui. Yeah, Wingardium. Oui, Wingardium. Regarde. Bravo! N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous ai mis des caisses à disposition dans la salle à côté. Je suis en train de balancer des... Attends, vas-y, sur la gueule de la prof. Ouais, je suis vraiment... Ah. Attends. Madame. Je suis en train de niquer les plantations. Voilà. En plus, il y a... Potion Maxima. Bien. Ben voilà, c'est bon, j'ai plus à dépenser de thunes pour leur gueule. Ah, je suis fier, bordel, j'ai vu dire de mieux de ça. Bon, et maintenant on va faire la quête, hein, parce que bon. Voilà, carte du monde, let's go. Et c'est très loin, effectivement. C'est un peu plus proche possible. Hein. Voyager. C'est trop bien de pouvoir voyager dans ce jeu. Parce que c'est... Vu que la map est super grande, c'est super grande. Elle est bien à faire emballer, quoi. Sécurité, si j'explore cet endroit. Je sais pas, j'ai pas envie de savoir, tu vois. En plus, ils disent pas non. Bon, faut que j'aille voir Onis, ou je sais plus qui. Je sais ça, je sais plus c'est qui que je dois aller voir. Ah, il casse les couilles.
Ouais, le bruit de la gâchette, c'est tellement... C'est un bruit dégueulasse, regardez. C'est un peu un bruit dégueulasse, les gâchettes. Non, c'est pas ça, quoi. Qu'est-ce que vous mijotez? Ouais, attends. What's up, toi, quoi, là? Petite de grotte. Non, mais plus de loot, plus d'équipement, plus de vrai, plus d'argent. C'est toujours bien. On a un putain de truc au fond là-bas, là, putain, regarde-le. Il est tout beau, le coffre, putain. Il était tout beau, ce coffre. Bon, bah, allez, on y va, on se casse. Oui, il y a un château bizarre, un peu, là. Bon, bah, allez, on dit. Ah oui, tu me casses les couilles, toi. Toi, je vais me demander de balancer 40 000 mandragor, 40 000 pouces. Ta gueule, un peu. Nati, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? Comme promis, j'ai mené l'enquête pour connaître les plans d'Arlo. Je l'ai suivi jusqu'à la tête de sanglier. Je l'ai surpris en train de lire une lettre. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle portait la signature et le sceau de Victor Rockwood. Et il y a autre chose. Arlo a parlé de toi à ses collègues. Ils ne t'ont pas pris pour quelqu'un d'autre, par hasard? Non. Rockwood et Arlo sont bien à ma recherche. Pourquoi m'avoir menti? Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à quelqu'un d'aussi jeune? Le professeur Fig m'a demandé de ne rien dire, mais je sais que je peux te faire confiance, Nati. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant que j'arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après l'attaque du dragon. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange, d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme. Je pense tout, hein. Une balance, un peu. Eh bien, dans ces cas, allons-y, casse pas les couilles. D'abord, nous devons accéder au donjon. Je vais examiner la porte. Vois si tu peux trouver une autre entrée. Il n'y a pas de garde, mais évitons... Faut avoir du style quand on monte, quoi, c'est ça. C'est ça le jeu, c'est ça qui est beau dans Harry Potter. Je me demande à quoi ça sert. Bon, ça n'a pas marché. Peut-être. Action. Wingardium Leviosa. Ouais, sûr que ça, ça marche pas. On va faire Repulso plutôt. Repulso. Ça marche bien, effectivement. Action. Wingardium Leviosa. C'est bien un coffre avec des gants cuir noir. C'est bien pour la revente. Je vais pas pouvoir monter en fait, c'est pour ça. Encore un peu. Ah, c'est bon là. Faire un peu bugger le jeu. Action.
Leviosa. Action. Wingardium Leviosa. Ah, j'ai peut-être une autre idée. Ce qui pourrait être pas mal pour ça. Je connais un autre sortilège. Très puissant. Et voilà. Bon, bam, je monte. Ah, yes. Je dois trouver un moyen d'entrer dans la guérite pour permettre à Nati de passer. Ta mère. J'espère. Un cul-de-sac. Il doit y avoir un autre accès. Ouais, très bien. C'est super cet objet quand même, hein. Hop. J'ai l'impression que ça permet de lever la herse. Ok. Je savais que tu y arriverais. Par ici, je suis trop fort. Je vais ouvrir la porte. Je suis trop fort, ma gueule. Je suis beaucoup trop fort. Je suis trop fort. Oh. Le bras. Voilà le donjon principal. Je pense qu'on y trouvera Arlo et la lettre. La prudence sera de mise une fois. Je les entends. Calmez-moi, cette bête. Elle s'élève. J'espère que Nati n'a pas d'ennui. T'inquiète même pas, c'est Arna, on est là pour aider. On va venir vous niquer votre mère, vous. Comment vous avez pu toucher à ces plumes, quoi? Comment avez-vous osé même aller toucher à ces plumes? Wingardium Leviosa. C'est malheureux pour toi. Bref, oui, on vient de l'envoyer valser, je sais pas où. C'est fort possible que j'ai fait ça, oui. Il y a de la thune, donc la thune, ça se récupère ici. Que tu refuses ou pas, je m'en bats les couilles. Un peu même chose pour vous tous. Putain, il est parti en bas quoi, putain. Ah, je les envoie valser dans le décor, c'est trop bien. Bon, allô Mora, alors. Parfait. On est des génies maintenant de Halo Mora, ça y est, j'ai tout compris. Hier j'ai regardé le tuto pour faire et maintenant je sais faire. C'est génial de pouvoir faire ça quoi, c'est voilà, c'est j'espère que Nati rencontre moins de résistance. Ah, coffre. Il y a coffre et je peux pas aller chercher coffre. Il y a moyen de que truc. Ta mère, donne-moi le coffre. Donne-moi le coffre. Putain. Il va pas me donner le coffre quoi, super. J'ai pas de gros coffre. Bah, j'ai pas de gros coffre. Allez. J'arrive. Nati, t'es où?
Nati. Bordel de merde, oui, Nati. Tu tues ton quoi? Tu tues ton quoi, mais tu vas te calmer, tu vas te casse-toi surtout, ouais. Bref. Faites quoi là, mais vous vous prenez pour qui? Tu devrais peut-être abandonner. Eh bien, on croirait que tu essaies de... Une vie. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il dégage à une vitesse monstre. Oh non, la vie finie. Putain, quoi, sérieux. Bon. Putain, mais c'est... Ouais, je t'ai vu, Abdel. J'ai vu. Putain, c'est une dinguerie, c'est quoi, ce que de la merde. On va vous tirer des mains de ces barbares. Ne vous inquiétez pas, je vous récupère. Est-ce que je suis en train de faire tout sauf la quête? Oui. Avec moi, je vais ramener à la maison. Allez sur toi, allez, j'ai compris. Un instant? Non, il n'y a plus. Il n'y a plus rien. Bon, maintenant que j'ai de la thune. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, vas-y, ok. Ce que tu veux. Ouais, allez. Allez, en plus, il y a un super coffre. Allez. Et il y a un deuxième. Il y a une lettre, surtout. Ouh, allez. Attends, il y a un super équipement, là. Coordonne équipement, quoi, putain. On va essayer de bien plus fort. Ce qui est bien, c'est que je peux faire comme ça, changer d'apparence, et genre, je deviens un Poudlard, quoi. C'est bien, hein, franchement. Ouais, franchement. Elle est moche, ça, quand même. Hein. Je sais pas, mais bon, voilà, quoi, elle est pas très belle. Alors que celle-là, le Fondor. Bon. J'imagine que je vais descendre. Hein. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Super. C'est génial. Faut que j'aille où? Nani, faut que j'aille où là? On a un problème, je sais pas où. Ah, mais c'est bon, tout va bien. Oh, on tourne. Belle Céleste, tout va bien. Là, du calme. Un collègue! Te voilà. Oui. Là, je pète un plomb. Oh. Youhou, ok, mais très bien. Vous avez crié comme ça combien de temps? Parce qu'on me gassait les couilles à crier, quoi. C'est le Poudlard Express. Il doit revenir d'un voyage imprévu.
que t'as déjà vu des années des... possible. Elle céleste, allez. C'est extraordinaire. C'est incroyable, non? J'ai pas envie des trucs là. On vit des trucs ici, c'est voilà quoi. C'est exceptionnel. Meilleur qu'Harry Potter, les gars, moi je veux le dire, on est meilleur que lui. Hein. Harry Potter, à côté de nous, il est éclaté. Hein. Alors que nous, frère, on est best, quoi, avec nos trucs. C'était incroyable. C'était tellement excitant. Je me suis même demandé si on allait s'en sortir. Il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Je maîtrisais la situation. Tu as réussi à trouver la lettre ? Je l'ai arrachée des mains d'Arlo par magie. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'il nous lance le sortilège de la mort. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Reste sur tes gardes. Bien sûr. Alors, que disait la lettre ? Que Rockwood recherche un phénix. J'ignore où il pourrait en trouver un. Mais elle contenait aussi les ordres d'Arlo demandant aux braconniers d'inspecter ce château. Ça suffirait à relier Arlo à ses crimes. Je vais remettre la lettre à l'officier Singer. Il faudra bien qu'elle agisse en la voyant. Mais, dis-moi, où est-ce que tu as rencontré ces hippogriffes ? J'ai rencontré Elle Céleste il y a peu, grâce à Poppy. Poppy Sweeting connaît un hippogriffe ? J'aurais dû m'en douter. Poppy sera soulagée de savoir qu'Elle Céleste est en sécurité. J'ai bien fait de te demander de l'aide. Ma mère va s'inquiéter. Je dois partir. Reviens vite me voir. J'aurais beaucoup de choses à te raconter. Ouais, objet débloqué, Elle Céleste. Putain, incroyable. Maintenant, on peut monter Elle Céleste. Putain de merde. C'est pas incroyable, quoi. On est trop chaud les gars, moi je veux le dire. Je suis là, je vole sur des trucs, je vole sur des hippogriffes, frère. Il y a quoi maintenant ? Il pourra peut-être nous fournir les preuves dont nous avons besoin pour l'arrêter. On devrait aller lui parler. Il y a rien qui va, je vole sur des hippogriffes quoi. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il m'a dit qu'il avait quelque chose à vous dire. Je suppose que vous avez reçu des nouvelles de votre ami Gobelin. Retrouvez-moi dans la salle de la carte pour en discuter et décider de la marche à suivre. Y'a rien qui va, hein. Y'a rien qui va dans ce jeu. Moi je descends de Elle Céleste. Plus vite, Elle Céleste. Ralentis un peu. Voilà. Wesh. Eh ben c'est où? Où est passé Elle Céleste? Wesh. Quoi? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, un petit cours de balai, allez. Y'a rien qui va sur ce jeu, y'a rien. Rien ne va, rien ne va.
Bon, j'ai laissé dans mon petit sac maintenant. Eh, vous savez ce que je peux faire, les gars? Regardez. Tu vas dire, je me balade devant les élèves avec ça, quoi, putain. Oh non, on peut pas rentrer avec. Tu sais, tu rentres dans la grande salle avec ça. Regardez-moi les ici. C'est les serpentards. Et nous on est là nous. Alors. Tellement petit, on a un hippogriffe maintenant quoi putain. Cette aventure part en couille quoi. Alors, ça valait le coup de faire la mission. Ça valait le coup. Moi maintenant je vais un peu m'arrêter parce que je suis. Voilà, je vais un peu arrêter là, parce que j'en ai marre. Je reviens un peu plus tard en live. De toute façon, que allez, à ce soir. On avait joué 2 sur 55 au jeu, ça fait plaisir. Ça fait un petit kiff là quand même. Ce qui était sur une belle. Voilà. Avec les hippogriffes. Allez, au revoir tout le monde.